Je reçois souvent des commentaires me disant « Mais tes bougies sont trop gourmandes, j'ai envie de les manger. » Est-ce que ça se mange? Eh bien, cette fois-ci, vous allez voir, vous allez avoir une vraie raison de vouloir la manger. Et oui, pour la collection d'hiver, j'ai choisi de faire des bougies un petit peu gourmandes, parce que ça réchauffe le cœur et c'est à la fois cocooning. Absolument tout ce qu'on adore en cette saison. Bon, attention, petit message préventif. Bien évidemment, ça ne se mange pas. Absolument aucun des produits que je fabrique n'est comestible. Tout est à base de cire, mélangé à des parfums, et forcément, il est interdit de les manger. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des étiquetages obligatoires, des normes à respecter, pour éviter toutes sortes de drames. Alors oui, elles sont gourmandes, mais uniquement d'un côté visuel et olfactif. Ce modèle est une nouveauté qui débarquera bientôt sur le site d'ailleurs, dans la collection d'hiver. Cette bougie est parfumée au spéculoos et j'ai donc fabriqué des décorations sur le thème pour un max de gourmandise. Vraiment, ce parfum est un régal, je ne m'en lasse pas. J'espère que vous aimerez cette bougie autant que moi parce que j'ai mis tout mon cœur à la fabriquer. Et j'en suis vraiment fière. Je l'aime vraiment beaucoup, bon, un peu comme toutes mes bougies de toute façon, mais c'est typiquement le genre de bougie que j'adore avoir à cette saison. Sous un plaid, au chaud, avec une bonne série et un parfum bien gourmand pour embaumer son intérieur. Quoi de mieux? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire.